Salut! Coucou! Salut! Bah alors frérot! Oh, ce deck est énorme! C'est le meilleur deck. Le meilleur deck de la saison 10. Et yo tout le monde, c'est les Mouti. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer un deck complètement what the fuck. On va jouer un deck foudre séisme. Et autant vous dire que là, j'ai croisé juste avant, par exemple, là, un Logbait TDE. Ça tourne en fer, j'en ai fait des sushis les gars, il a rien compris ce qui lui est arrivé. Donc ça a l'air pas mal dans cette méta, on va voir ce que ça donne si j'arrive à finir le défi. En tout cas les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc ouais, au niveau du deck, on a 3 sorts, donc on a 2 gros sorts, c'est ça qu'on voit un peu moins d'habitude. En général les PK 3 sorts ça se voit, mais plus une snowball quoi. En fait le deck voilà, le deck classique c'est plus une snowball. Là, foot séisme, c'est quand même un autre délire. Hein. Il y a une petite différence. Et sinon PK Ram Rider classique. Hein, avec le baby dragon, la voleuse, le sorcier électro pour riser tout ce qui est dragon de l'enfer, tour de l'enfer, même si là, bon, on est quand même équipé. On est suréquipé là avec la foudre et le séisme. Donc il y a quoi faire quoi. Largement, le seul problème qu'on peut avoir c'est en foin quoi. C'est un deck à 4.3, donc il faut faire attention en. En élixir x1, mais en général, une fois qu'on arrive en overtime, ça se passe plutôt bien. Et bon, bon on va s'ouvrir les petits coffres et puis on est parti là. Oh, est-ce qu'on a des trucs intéressants? On a eu 2 gemmes, nice. Pourquoi pas, hein. Le petit pass qui fait plaisir. Ah oui, il y aura des. Ouais, ça je le ferai plus tard, ladder. La guerre de clan aussi, ça en fera plus tard. Et puis voilà, ça je suis content. Je peux enfin plus demander de cartes. Je suis full maxi, il manque plus l'or, donc il va falloir que je charbonne les défis. Là je vous fais encore un défi classique, mais je pense que la prochaine vidéo défi, je vous ferai un petit super défi. Parce que là il faut que je charbonne l'or, là j'ai plus d'or, j'ai tout utilisé pour maxer le deck cochon de la dernière vidéo. Donc il faut qu'on charbonne ça. Allez c'est parti, let's go, première game avec ce deck PK foudre séisme. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oula, on est contre Super Guy qui est dans un clan 1v1. Je pense qu'il y a eu un règlement de compte potentiellement avant la. Et voilà. Voilà, déjà le Sentinel qui sort, rentre en action et là il se dit ouais, qu'est-ce que c'est? C'est des Royal Ogs, c'est une connerie du genre. Eh non, frérot, t'es pas prêt à la suite, hein. T'es pas du tout prêt à ce qui va t'arriver, mon pote. Baby Dragon, bon, je pense qu'on est parti sur du cimetière classique. Rien de. De très surprenant, j'ai envie de vous dire. Et vu qu'il a utilisé pas mal de troupes, on peut se permettre, je pense. Ah merde. Je voulais essayer de protéger mon Ewiz, mais. Ouais, dommage. Même si je pense que. Oh! Oh, let's go! On a la foudre et le séisme. Oh, on va se régaler, les potes. Oh là 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 là. Première game, on va se régaler comme Jaja. Si vous pouvez me rajouter un truc par contre derrière. Ça serait fort aimable. Gros, il veut pas mourir ce. Il est pas au courant lui. Il sait pas ce qu'il attend. Quand je vais lui claquer la foule, les gars, il va avoir une réaction. Oh, il est pas prêt. Hein. Il est clairement pas prêt. Oh, ça me tue. Là, je pense pas qu'il aura assez de. Il aura pas le temps pour fuir. Hein. Il aura pas la réaction, je pense. Allez, qu'est-ce que je vous disais? Je suis dans sa tête, les gars, je suis dans sa tête. Il avait que le fût pour counter la voleuse, j'étais sûr qu'il allait pas avoir le reaction time. Donc il a poison. Ah, oh, je sais pas ce que c'est peut-être un igolem. Mais dans tous les cas, vas-y, prépare ta défense, frérot. Je vais. What? What? Salut! Coucou! Salut! Bah alors, frérot! Oh, ce deck est énorme! C'est le meilleur deck. Le meilleur deck de la saison 10. Oh la vache! Ah, je pense que. Ah là, on l'entend plus là. Hein. Je pense qu'il était clairement pas prêt. Oh la vache! On prépare la foudre. Et dans un nu. Bion, bion. Le séisme. Et on lui balance des petits cœurs. Parce que, évidemment, ici, on prend de l'amour. Hein. Peace and love. Et BM.
Peace Love and BM. Voilà, c'est ça la nouvelle devise de la chaîne. Peace Love and BM. Je vais peut-être vous baisser un peu le son du jeu. Attends, je suis pas trop fort. Hop là, ça devrait être parfait là. Bon bah ça se passe plus trop bien là, on pouvait pas tomber mieux je pense hein. On pouvait pas tomber mieux et comme quoi le deck a l'air de pas mal se glisser dans la méta. Regardez ce qu'on avait là. Oh là là, on avait un match-up les gars. On se régale. Ah non, on va pas mettre 3 ans à trouver les games aussi, on suit un défi classique là. Déjà quand ladder on mettait 3 minutes voire 3 voire 4 bonnes minutes à trouver une game. Alors si on se met à avoir pareil en défi, là, on va pas s'en sortir. Hein. Ok, on va juste cycle le fût. On sait pas trop ce que c'est. What? Ouais, pourquoi pas? Est-ce qu'il nous donne une food value? What? Alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Un ghost comme ça, là, avec le fond. On va mettre le ram dans le bac. Hein. Peut-être du cochon royal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, vas-y, hein. Moi, je te... Regarde le séisme. Hein. Même si... Oh là là, les dégâts du séisme. Mais what? Oh, c'est quoi ce truc? Ah ouais, non, c'est abusé là. Regardez, hop là, on va kite ça de l'autre côté. Pour ensuite revenir. Et allez, nice, parfait ça. Ça devrait quand même taper. En plus, il a plus de bûche, donc il peut plus l'arrêter. Et ça va connecter. Je pense qu'on va prendre la tour là-dessus. Oh, en plus, il rajoute le chasseur. Nice, parfait. Ok, bon, il reste 300 HP, mais on est à portée de foot, je pense. Ouais, 307, on est largement à portée de foot. On va pouvoir se focus sur la tour de gauche. Il a l'air d'avoir un deck ultra ultra fragile. Donc je vois mal comment en deux couronnes il va jamais me gagner là. Il va jamais réussir à passer contre mon deck là. Oh oh oh. Nice, let's go. On va réussir à prendre ça. Et je pense... Ouais, on va pas mettre un PK, on va pas abuser non plus. J'allais dire, on va peut-être mettre un PK de l'autre... What? Et regardez. Surprise, frérot. Hé hé. C'est la petite surprise du chef. Là, il va mettre les hogs. Non, me fais pas mentir comme ça. Soft side, c'est pas cool. Bon, voilà, il les met de l'autre côté. Non, c'est pas très cool ce qu'il vient de me faire là. Bon, le séisme qui peut servir aussi en défense, hein, vous voyez, c'est vraiment polyvalent. Il faut pas hésiter à utiliser vos sorts. Vous en avez largement en stock. Est-ce qu'on prend la deuxième tour? Enfin, 9 secondes, vite. Allez, allez, allez. La deuxième tour. Allez, 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 allez. Dépêche-toi. Non, il est pas drôle. Il est pas drôle. Ah, lui, c'était pas un joueur fun, hein. Il était là pour tryhard et claquer son 12. Je sais pas s'il en a un. Est-ce qu'il a... Il avait déjà réussi le 12. Allez voir son profil. Ah, il en a déjà fait. Oui, il a déjà fait des 12. Allez, on est reparti. Contre Alex. Ouh, ouah, c'est quoi cette main de départ, gros? Je suis censé faire quoi? Balancer un... On va cycle un petit 6, je pense. Hein. Mais heureusement... Heureusement qu'on a le fût quoi. Ouais, mais même ça c'est pas ouf. Parce que cycle un fût comme ça, bon, c'est pas. Je préfère autant le mettre au pont comme ça, tranquillou. Voilà. Au moins lui il claque le poison. Non. Oh non, ça j'apprécie pas. Ah, ça j'apprécie pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Il va mettre Lewis à tous les coups. Voilà. Ah, j'ai tellement une rotation qui est pétée. S'il met un bélier devant, je pète un câble. Hein. Je vous préviens. Ok, c'est bon, je vais pas péter un câble. Là, c'est du PK poison avec les gargouilles. Donc, on va voir ce que ça donne en match un petit peu miroir.
Ça peut être très intéressant du coup. Ça va être la version la version Made in Lemon Tea, on va dire, contre la version classique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour l'instant on défend pas trop mal. Est-ce qu'on part PK fond de map ou est-ce qu'on essaie de gérer un petit peu le bail? Non, je pense qu'on peut se permettre de mettre le PK. Ah, on n'a pas le baby dragon. Ah, je sais pas. On va le tenter. On va le tenter, je pense qu'on va... Ah, je sais pas. Il faut que ça accueille une carte encore. Si Miliwis derrière, je peux claquer une bonne foudre. On va voir. On va voir si on utilise Nessor ou si on préfère mettre des troupes. Parce que là, on est enfin. En fait, enfin, c'est ça le problème. Vous devez choisir. Soit vous foudrez, soit vous envoyez des cartes pour supporter votre PK. Là, je suis obligé de faire ça. Je peux pas foudre, malheureusement. Parce que les gargouilles vont faire trop value sinon. Et c'est pas grave. Hein. What? Non mais c'est quoi, c'est quoi ces play en miroir quoi. C'est deux ordinateurs qui jouent en fait. On a fait exactement la même chose, sauf que là en x2 ça va être complètement différent parce qu'on va pouvoir lui claquer les foudres. Les petites foudres dans sa... en pleine tête. Hein. Ça va partir. Et ça il va pas s'y attendre je pense. En plus on a l'effet de surprise, on va garder l'effet de surprise un petit peu. Donc encore un effet positif on va dire. À pas claquer la foudre en x1. Allez, mets ton Iwiz. Zanu. Non. Jure, il l'a eu. Oh, le... coquin. Allez. Oh, quand même. On gagne quand même la bataille au pont. Mais il a super bien pré-shot ma foudre avec... avec son Dark Prince. Ça, il n'y a pas à dire. Putain, il a géré. Hein. Il s'y attendait clairement. Ok, ça je m'y attendais aussi. Ça je m'y attendais un peu moins. Comment est-ce que je fais là? Comment est-ce que je fais? On va pas se précipiter. Tout est sous contrôle. Ou pas? Parfait, il a pas assez du coup. 8. Ah, dommage. Quoi? Non, c'est quoi cette arnaque? Pourquoi ça a mis un coup? What? Oh, l'arnaque quoi. Ça peut tout changer ce coup, hein, parce que je crois qu'il a apporté deux poisons du coup. Oh non gros, t'es pas sérieux genre. Non gros, c'est quoi ce coup de fée à barbare genre? C'est quoi cette arnaque? Allez, allez, le braquage! Au séisme! Allez frérot! Allez, 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 allez! Pousse! Allez frérot! Ça va être trop chaud! Let's go! Boum mon gars! T'as cru que t'allais passer comme ça? Le braquage! Ben oui mon pote! On se laisse pas faire! Oh le séisme à la fin! 3000 IQ le séisme. Hein. 3000 IQ. IQ, Earthquake, vous avez compris le jeu de mots. Allez, petit séisme. Oh la vache. Mais non, on va pas perdre dans cette vidéo, bien sûr que non. Il y en a qui ont douté, hein. Je vous ai vu dans les commentaires, il y en a qui ont douté. Hein. Faites pas les mecs, là. PK ou pas PK? Non, pas PK. J'avoue que j'ai perdu... pas PK. Pas PK. Pas PK. Oh, la foudre qui était peut-être... Oula, s'il met un Nigolem à droite. Oh shit. Les problèmes. Ouais, la foudre qui était pas... Voilà, t'en as non plus, mais je pense pas que ça va le gêner. Hein. Ouais, non, la foudre qui était clairement trop forcée, en fait. Parce qu'on a mis... du coup, on a mis 11 pour gérer 5. Donc, on se dit, ouais, il faudra un Hydrag et tout, c'est bien, mais... c'est pas si bien que ça, quoi. Bon, ça se remonte.
Ça se remonte clairement, mais ça va pas être une partie de plaisir. Est-ce qu'il a... J'aurais dû mettre la voleuse directe, parce que là, il va avoir assez pour mettre la cabane, voilà. Du coup, ça va nous embêter un petit peu. Quoique, la première fournée de barbares qui va être gérée. Du coup, on va pouvoir mettre le 6 pour aller gérer la deuxième, en plus de ça, on va avoir la tour du roi qui va nous aider. On est pas si mal que ça. On va pouvoir se mettre, du coup, un petit PK au fond. Voilà, parfait. Là, on va pouvoir accumuler un max d'élixir, là. Il faut faire attention au food. Comme tout à l'heure, je pense qu'il va essayer de protéger... Ah, mais ça marchera pas, ça. Qu'est-ce qu'il fait, là? Parfait, ça. Vas-y, mets ta cabane. Oh, pas de cabane. Pas de cabane, ça passe, hein. Pas de cabane, c'est connexion sur la tour. Et on égalise. Parfait, ça. Let's go. On égalise. On va même... Oh, vas-y, on va mettre la pression, là. Toutes les troupes qui ont un HP, c'est parfait, c'est parfait. Nice. Le dragon qui va se faire imploser, quoi. Oh, on est bien, on est bien. On est très, très bien remonté. Choisis de cabane comme ça, bah vas-y on va partir à gauche hein, tu sais quoi, on a tellement gratté, je pense que je peux tenter le 3 couronnes hein. Il va être obligé de nous donner de la value sur les foudres. Donc pourquoi pas. Là je sais que la voleuse va partir à droite hein, c'est juste je préfère la mettre comme ça. Oh bien joué ça, oh très bien joué son kite. Mais nous aussi on n'a pas dit notre dernier mot. Le dragon électro qui va se faire gérer, on n'a même pas besoin de foudre. Et là regardez, on va commencer à accumuler un maximum de PK. Et ça, ça fait plaisir. Non, frérot, il fait quoi le PK là? Bon, ça va, on a quand même bien gratté. Ça me fume, c'est cabane de dernière minute, on va dire. Mais il s'en sort bien, hein. Ça fait combien ça? Ça finit pas, hein, je pense. Foot plus séisme. Ça finit ou ça finit pas? Non, ça finit pas, je pense. Hein. Oh non. On est en train de se faire braquer là. Oh, j'aime pas trop ça. Non, j'en peux plus de cette vidéo là. Là, changement, monsieur l'arbitre. Là, il me faut un remplaçant là. Je peux pas. C'est quoi ces games? C'est quoi ces games de malade mental quoi? Oh la vache. Allez, on est reparti. Contre Kalt. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? C'est la game des 12, hein. C'est la DR. On va bien. On a encore une cabane. Putain, ils abusent avec leur cabane. J'ai l'impression que le séisme il sert à rien contre la cabane. C'est abusé. Non, c'est encore le même deck. Bah, remarque, c'est bien. On voit que PK séisme foudre contre Igolem, les gars. Un régal, hein. On a trouvé, je crois, un deck anti-méta qui fonctionne pas trop mal. Par contre, ça, on va faire défendre. Parce que ça, j'apprécie moyen. Là, vous voyez, il voit Iwi Seism, il se dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique, ce mec? Qu'est-ce qu'il me fabrique? Et là, il a pas cycle normalement la cabane. Ok, super. Voilà. Ce coup-ci, on fait pas la même erreur de foudre. Et on est parti sur un rematch de la game d'avant. Et je pense qu'on va le soulever tout simplement hein. Ah moi c'est très clair ici là. On va parler français. Je pense que ça va être encore pire que la game d'avant. Regardez. Regardez cette cabane. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Oh frérot. Voilà la question qu'on est en... Si jamais il a séisme là c'est terminé. S'il a poison il peut s'en sortir peut-être. On va voir hein. On va voir s'il choisit de poison Stewies. Mais s'il a un séisme oh, ça va être tellement galère pour lui. Je pense qu'il a un poison. Non, il a pas de poison. Il a pas de poison. Oh, il a pas de poison.
Y a pas de poison? Ouais. Ouais. Ah, c'est pas comme ça que ça devait finir là. Y a eu un petit problème là. C'est pas comme ça du tout que je l'imaginais en fait. Bon, c'est pas grave. Ça passe aussi. J'ai envie de vous dire, ça fait le taf. Pourquoi il met cette cabane là-bas? J'en ai aucune idée. On l'avait déjà joué le cabane, hein. Ouais, ouais, ok, ouais. J'ai... Ouais. Aucune idée. On va pas mettre le PK tout de suite au cas où il part en push là avec, avec ce truc là. Ok, là on peut se permettre. Et ça va être la galère de plus en plus pour lui là. Ça va être la galère de plus en plus. Nous on va gratter notre petit Elex tranquillou genre. Hop là, pépouze. Et on va repartir en PK. Voire même, on est bien parti à droite, on est à combien là? Est-ce qu'on se mettrait pas un petit sisme dans le vide histoire? Deux, non ok, on va défendre. Ah, j'aime pas quand ils me font des braquages comme ça là. Braquage à l'italienne. Ça veut pas mourir! Mourez tous! Allez! Oh, c'est horrible. Ah, Grush, il a réussi à défendre quand même, hein. Cet escroc là. Je sais pas comment, mais. Il a réussi à défendre quoi. Ah, la faute qui finit pas malheureusement. Et on va aller chercher cette dernière game en finissant en beauté. Foudre puis séisme. 1-12-0 comme on les aime. Clean, y a pas à dire cet épisode. Un max de good game là. Ah, ça fait plaisir. T'as les épisodes comme ça là. Ça me fait tellement... J'avoue à la fin quand il y avait une défense à... En fait y a, à chaque fois il y a les deux games là. Il y a une... Attends, il avait le poison, pourquoi il a pas joué? Les deux games il y a eu une défense qui était archi tendue. Genre vraiment tendax de ouf. Et on s'en est sorti au final, donc vous avez vu, hein, on a joué contre des decks vraiment méta, hein, donc là c'est la version du Igolem qui tourne partout. Les 3 mousquetaires, un PK, encore du Golem et même du Logbait. Donc au final, un deck troll, mais pas trop. Donc à tester, hein, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez vous amuser un petit peu. Foudre séisme, ça vient d'arriver, c'est tout nouveau. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre toutes les prochaines vidéos. C'est tous les jours 18h15, je poste une nouvelle vidéo du ladder, du super défi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 10 000. On se fait le dernier rush pour les 10 000 abonnés là. Et après on passera aux choses sérieuses. Donc merci à tous pour votre soutien. Ça me fait extrêmement plaisir, tous vos commentaires, je lis tout. Ça me fait extrêmement plaisir que les vidéos vous plaisent autant. Et on va s'ouvrir le coffre quand même. Et n'hésitez pas, le petit pouce bleu. J'ai fait oublier le petit pouce bleu les gars, les petits pouces bleus des familles. Ça mange pas de pain, ça me soutient énormément pour le référencement sur YouTube et pour m'aider à avancer. Sur ce, c'était les Monty. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!